Mais après, mon Lucian, tu as battu. Tous les tours, c'est au moins une pièce d'or, ça? Moi, j'adore les sous, hein. Pourquoi j'ai pas eu la pièce là? Pourquoi j'ai pas eu la pièce? C'est écrit à deux starts, ça aurait dû être là. Ok. Oh, tellement big ça. Oh là là. Ok, donc une pièce tous les tours. Puis la case est vraiment bien. On peut rajouter H après. C'est fort de copier une civière là, franchement. Bon, faut y aller quand même pour la pécho là. Peut-être qu'il fallait garder les pikes. Peut-être que hacker c'est mieux que surshot ici. T'as testé l'augment civière qui donne AD on cast à toute la team. Je me disais que ça devait être très fort avec Belvette. Ouais, j'ai déjà joué, ouais. Après, tu sais, Belvette, le problème c'est pas son scaling, hein. C'est juste que le fait que. Elle fatigue à partir du stage 5 parce qu'il y a trop d'AOE, il y a trop de CC. C'est déjà un très bon perso en soi, c'est déjà un perso qui a largement assez de dégâts. Ça ne marche pas avec Churchot, par contre, c'est l'AD au début du combat qui compte. Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'AD qu'elle a lors du début du combat. Donc effectivement, pour dépasser ça, il faudrait que j'ai 84. Donc il faut que il n'y a que DB qui marcherait, il n'y a pas IE. Là, il y a une IE, mais... Oh pétard. Mais là ça marche du coup. Oh mais là j'ai... Attends mais j'ai une dinguerie là, j'ai ça et ça. J'ai 5 Infinity Team là déjà. Mais c'est pas si bien que ça après Infinity Team. Je garde ou pas? La TF, c'est bien après de copier la fronde, franchement. Mais c'est dur de justifier la place, hein. Je suis vraiment pas sûr, hein. Ouah, deux pièces, c'est big. En fait, regardez le board là. Là, je peux cut pour mettre TF. Et au niveau 6, je peux mettre Lucian. Mais est-ce que ça sera le mieux? Non, ce sera pas le mieux. Parce que j'ai envie de rajouter des sureshots, des defenders, des. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup d'argent. Putain, mais mon nez. Ah là là. Pas vrai ça, hein. Ça va passer? Donc là, si j'ai une DB, elle passera le palier d'après. Je suis censé la reroll ou pas là? Reroll Sivir? Perso, je pense vraiment pas. Hein. Je pense que je level up là. J'ai trop d'argent, je suis trop bien. Je suis en win streak. Tous les tours, on fait deux pièces d'or, on est trop content et on go neuf. Hein. C'est ça le mieux, je pense. Ouais, c'est juste. C'est marrant de reroll parce qu'on aura vraiment beaucoup de pièces. Mais c'est tout quoi. Je suis d'accord que là 5 Affinity ça aurait été mieux. Par contre j'aurais une économie beaucoup moins grande. Nous on aime bien quand c'est marrant. C'est vrai que c'est marrant quand c'est rigolo. Hein. C'est très rigolo quand c'est fun quand même. Électrocharge est vraiment bien là. Hein. C'est dingus. J'ai regardé vite fait le lobby, c'est dingus. Il y avait une Camille aussi, donc faut faire un peu gaffe. Commence à prendre le Alistar. C'est quand même bien de copier un backliner. J'aime pas trop copier les frontliners parce qu'ils meurent trop vite.
Copier une civière là, c'est vraiment big, hein. Nice. On s'est fait gauche-droite aide. Let's go. Ouais, il y a un monde où on joue le mecha, je pense, où on joue Garen. Elle profite des items, la civière copiée. Il y a cette civière-là, elle a ces items-là. Et il y a une autre civière, elle a des items et elle les porte, quoi. Un nouveau TF, et ça fait Warmog. Oh, le Nunes. Ouais, mais là, il y a ça, là. J'ai envie de lui mettre Warmog, là. Il va trop énerver les gens, là. Hein. Mais après, on pourra le cut, hein, derrière, je pense. Je pense que ce TF là je le garde. Je peux faire ça. Oh mais là je tag vraiment des mecs faibles quand même. Ouais, Infinity c'est la même case pour tout le monde. Bon bah ça fait vraiment beaucoup de sous quand même. Hein. Une série de 9 victoires avec 2 pièces par tour. Ouf. Et surtout j'ai vraiment pas un board share du tout. Je pense qu'il y a peut-être un 5 Infinity là avec TF et Ezreal, je sais pas. On le savait que t'aimais trop l'argent de toute façon. What the fuck, Payoux? Ça y est, c'est la défaite. Nunu is broken. Nunu is complexly broken. Ah, t'es mal à la taille de la deuxième civière, wesh. C'est big 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 hein. On va level up là au 4-1. Je cut H et je mets Annie TF. Mais après le scaling à des turshots il est quand même sympa. Ah mais là du coup il y a un 5 Infinity Team. Je sais pas si c'est le meilleur play ou pas. J'aime bien changer une drill, ça va partir. Changer une drill, ça va partir. Sais pas, les lobbies aujourd'hui, ils cliquent pas trop, ou alors c'est moi qui ai trouvé des moyens de snowball plus faciles que d'habitude, mais là c'est vraiment pas difficile de win streak et. Ouais, level 5 en 4-1 quoi. Plus 1 Infinity Team en vrai. Je peux copier Nunu comme ça. Ten, ça donne des paliers. Ouais, mais là il est tard. Hein, pour continuer à penser à la thune. Alors, je vais faire ça. Ah mais merde, il y a encore le bug des Nunu là. Ils vont trop vite hein. Nayu. Donc j'ai 7 Infinity Team si je mets Lucian Ezreal. Sachant que je pourrais copier le Ezreal et le Nunu. Ah, c'est peut-être bien là. Ah mais je voulais garder la Riven parce qu'elle remplace le Wukong, j'ai oublié. Là, je pourrais juste mettre Garen, peut-être. Garen il met quand même un stun. Hein. Bah j'ai tellement d'argent, je peux level up juste après là. Un peu crado mais.
Les dégâts des îles, waouh. C'est beaucoup quand même, hein. Surtout quand c'est sur tout le monde, quoi. Il y a une Samira qui est toute poups. Rip. Un item baguette sur Ezreal, ça pourrait être sympa, sais pas si. Non, mais je pense que ça serait. Ouais, ça... le mieux, ça serait Leona. Donc, à la rigueur, je le garde ce Wukong. Mordekaiser, on peut pas, hein. Ah! Ah! Oh l'ambiance! Bon, on peut pas win streak toute la game, faut arrêter de déconner. Hein. Il y avait beaucoup de reroll donc c'est normal de taguer des gros spikes maintenant. Petite Samira naturelle là, boum! Il n'y aura plus jamais Anis trop tard. Et Ezreal 2 au niveau 8! Waouh! Very nice clicking! Et là aussi il y a Ezreal. Dis-moi que je vais en trouver un quand même, s'il te plaît, je t'en conjure. J'ai perdu tous mes points de vie! Ça fait déjà deux pièces, hein. Big. Là, je pense que c'est Leona ou Nunu, ouais, ça va être bien. Ouais, on a un pistolet. On a un statique TF aussi, mais bon. Il aura même pas dueliste. Non, j'ai un double pistolet en vrai. On en enlevait deux, non, en vrai. J'enlève Panthéon et Lucian, là. J'enlève Panthéon et Lucian. Et on met des vrais persos. Faut pas déconner. Windy Weather? Je suis intéressé. Oh, il y a des choses, là. Oh là là, il y a des trucs, là. Oh là là. Wesh. Wesh. Hello. Tu es le maillon faible, Nunu. Il y a un Ezreal là. Faire ça. Mais j'aimerais bien acheter l'autre Fiddle aussi. Il a même un Renekton le truc. Ouais, ça one shot tout, hein. Ah, quand même. Edge of Night, je me fais one shot toute ma team. Du coup, ça me fait Ezreal 2 là. Oh là là là, ce pack de zinzin. Pas la Camille, ouf. Ah mais du coup mon Ezreal copier il va là-bas. Ah il a bloqué Alistar. Ah ouais. Ok ça va pas le coup.
peut-être copier TF et placer mon Y convenablement moi. Il y a une trop grosse diff entre Ezreal 1 et Ezreal 2, non? J'essaie de faire un level 3 là. Hein. Sans parallèle, Ezreal est beaucoup moins ouf, je suis pas sûr. Hein. Parce que sans parallèle, il fait genre 4 ulti et avec parallèle, il en fait 5. C'est un up de 20%. Hein. Bon. Léona, s'il y a un légendaire qui peut rentrer, c'est ça. C'est quand même sympa dans ces cas-là d'avoir un deuxième Fiddle, je pense. C'est là où Infinity Team ça brille. C'est quand t'as une spatule sur un légendaire comme Fiddle en late game, je pense. Parce que là, du coup, c'est presque l'équivalent de Woodland Charm, quoi. L'utilité d'Alista. Putain, t'as raison. Il sert à rien ce qu'on a d'Alista. Enfin, je crois que je me suis mis dans ce défi là par contre. Et oui, depuis que j'ai plus Nunu, il sert à rien. Bon, peut-être Janna 3. Tout va bien. J'avoue que j'étais un peu lent sur le placement là. Il manque de peps à mon Ezreal là. Putain, les Camille reroll c'est des dingueries. C'est pas prévu, hein. On s'adapte. Et là, il te fait one shot par Camille. Non. Ah, quand même! Oh, Janna 3 dupliqué! Waouh, waouh, waouh! Deux Janna 3? Il me faut. C'est qui déjà? Ah, mais c'est des one cost, ça va être chaud, hein. Et du coup, elle donne beaucoup de bonus, c'est ça? Ah, je crois qu'elle donne pas mal de bonus, ouais. Solide. Et Janateri. Mais si je l'avais pas, il était fort quand même. Hein. Bon, l'augmente civière est très 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 balèze. Hein. J'ai gagné 2 pièces dans toute la game. Hein. Et encore, si j'avais eu plus de stuff pour elle, c'était 3 pièces par tour quoi. Et trop trop fort cet augment, c'était ridicule. Hein. Et malgré ça, c'était un peu serré parce que Camille Reroll, c'est vraiment fort. Camille Reroll avec Pyke en plus, ouais, balèze. Hein. Très très balèze. Il a mis plein de hackers avec Riftwalker. Il était trop fort. Et en plus, il a Renega, non? Je crois qu'il a Renega, ouais, avec Jhin.